Salut tout, on se retrouve pour un troisième épisode sur Manor Lord. C'est encore l'hiver, on est en janvier. L'année prochaine, enfin non, cette année, à la fin de l'hiver, on a prévu d'utiliser des bœufs pour labourer le champ. Enfin, un bœuf probablement. Parce que je pourrais affecter une bête. Sachant qu'il y a quand même une difficulté importante, c'est que je n'en ai qu'un de bœuf en attendant de pouvoir en acheter un autre, et j'aimerais bien pouvoir en acheter un autre en vendant quelques machins au comptoir commercial, on va dire des baies ou des bûches. Il n'y a que ça que j'ai pour l'instant. La population est contente, je ne sais pas pourquoi elle est en faible croissance démographique, popularité neutre, alors que je suis à plus de 72, c'est quand même beaucoup. Bon. Mon comptoir commercial est terminé. Ok. On va se mettre en vitesse normale. J'ai besoin que quelqu'un s'en occupe et nous apporte un peu de baie. Voilà. Et puis c'est tout, hein. Si j'ai des bûches à refiler, matériaux. Pas dans les graines, ça doit pas être dans la construction. C'est dans commodité peut-être? Non. Ah, je peux peut-être pas vendre de. Si, elles sont là. Exportation. On s'en garde 30, oups, pas 340. Et voilà. Et c'est parti. Je compte sur vous. Il y en a deux qui transportent pour vendre des choses. On voit bien le trajet de route. Ah bah j'allais dire avec de la neige. On voit aussi vachement bien en dézoomant comme ça. Et moi je vois pas son terrain à lui. Je sais pas s'il y a construit ou si jamais elle possède des terrains, mais en vrai elle est pas là, elle a juste des armées. Alors, déconnecter des routes commerciales majeures. Relier le bâtiment à la route royale, sinon on ne pourra pas attirer de marchands itinérants. Crotte. Alors, il est connecté à la route royale via une autre route. J'ai l'impression que ce que le jeu est en train de me dire, c'est ça ne va pas marcher ton truc. Il faut que tu fasses ton comptoir commercial. Donc on va le démolir, ça me fait mal au cœur. Ici, comptoir commercial. Enfin, je peux toujours établir une route commerciale, mais bon. Alors, c'est là que je me dis que je vais peut-être couper un bout de route. Alors, je vais être obligé de tout couper, probablement. Ouais, ok. Sauvegarde terminée. Ok. Ok. Enfin, la dernière, on va pas la mettre tout de suite. C'est marrant que les routes soient gratuites. Ça devrait prendre au moins du temps pour les placer. Construction. Comptoir commercial. Ah, je peux pas venir le glisser là, apparemment. De toute façon, je suis obligé de le mettre par là. Ok. Bon, alors on va regarder si on peut glisser une maison ou autre chose. C'est pas particulièrement un lieu particulièrement intéressant. On va regarder si. Oh non, c'est pas ce que je vais faire. On peut glisser une maison. Voilà. Très bien. Est-ce qu'on peut pas l'étendre? On n'a pas une maison boostable. Bon, alors on va faire dans l'autre sens. Je vais d'abord mettre la route.
Et après, construction de maison. Dans ce sens-là, tu veux bien. C'est pas très optimisé de mettre une maison qui prend toute cette place et il y en a juste une, mais bon. C'est pour faire une extension, pas pour faire un. Ah, c'est un slot d'extension. Oh. Bon, allons-y. C'est une maison qui sera bien desservie par le marché. Ça demande un petit détour quand même. Ah, je me dis qu'en fait, je pourrais faire la route un peu mieux que ça, un peu plus équilibrée que ça. J'aimerais bien que vous me le fassiez rapidement. Allez, roule boule. Roule ma boule plutôt. Il meurt. Je m'appelle Thoman d'ailleurs. Pas réduire un peu le nombre de. Il y a des gens qui s'installent. Je vais avoir énormément de monde pour la ferme, visiblement. Encore des gens qui s'installent. Très bien, très bien. Là, c'est presque fini. Faudrait que je le termine. On peut remettre des chasseurs. Pac. Et à nouveau un peu de gibier. J'en ai rondins qui transforment en bûches. Waouh. Alors il a quand même passé son truc ici, puis il est venu là, il a tapé là et paf, les bûches se sont TP. Là ça a retiré des éléments quand il en a mis là. Bon, maladie. Il se peut que les malades cessent de travailler. Un accès à des herbes peut accélérer leur guérison et une alimentation variée augmente la résistance des habitants aux maladies. J'essaie d'avoir un truc le plus varié possible. Les herbes, je crois que... Je crois pas en avoir déjà. Ah, le seigle peut être cultivé dans des zones moins fertiles. C'est son seul intérêt. Bon. Bah, j'ai une zone très fertile dont le blé profite bien. Donc j'ai pas besoin de faire du seigle. Donc en fait, la fertilité seigle, je m'en fiche. Ouais, en effet, elle est encore un peu plus verte que le blé. Donc je pense qu'il y a une carte de fertilité. Et ensuite, en fonction des graines, ils disent elles sont plus ou moins sensibles à la fertilité. Donc, ça veut dire que dans le champ que j'ai fait, objectivement, les meilleurs spots de fertilité, c'est là et là. Et là, c'est quand même moins intéressant. Ouais, donc j'ai d'autres champs potentiels par là, par exemple. J'ai pas trop envie de raser des forêts entières pour installer des champs. Là, j'ai pas fait trop de dégâts aux forêts. Puis c'est juste à côté de mon cœur de village, à côté du moulin, à côté de la ferme. Donc je suis plutôt satisfait. Alors, allez-y, allez-y, construisez-moi ce comptoir. Alors, c'est bien, eux, ils vident le personnel de l'entrepôt. Arrêtez de nourriture, on a de tout. C'est juste à côté du grenier s'il y a besoin de faire des transferts. D'ailleurs, je me demande si c'est ce qu'il est en train de faire. Je pense qu'il allait jusqu'ici. Je pense qu'il a déposé des baies. Puisque il y a beaucoup de baies au grenier. Peut-être de la viande aussi. Mon comptoir commercial est terminé, donc on a une famille.
Ah, et on a toujours les bons, les trucs. Ok. Et cette fois-ci, on est proche d'une route principale. Théoriquement fréquentée. Le fait que ma découpe de bois soit loin, ça facilite pas la tâche pour la construction parce qu'il y a beaucoup de chemin à parcourir avant d'obtenir du bois. On a encore plein de mineurs, on va bientôt avoir épuisé le gisement. Est-ce qu'ils sont capables de transporter? Il y en a qui creusent, il y en a qui attendent. Je pense que les minerais se retrouvent là. Attendez. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il y a 141. Les gens creusent. Et ensuite... On regardera dans un moment s'il reste encore 141. Je sais pas s'ils doivent creuser beaucoup parce que mon truc est mal placé sur le gisement. Mais en même temps, le gisement était sur une zone trop pentue pour que je puisse me placer pile dessus, donc j'ai ajusté. On pourrait aussi mettre du monde là-bas. On va mettre juste une famille. Alors, chasseur, ça n'a plus d'utilité. On va faire un gisement, on va s'occuper du gisement de pierre également. D'ailleurs, je pourrais envoyer tout de suite des gens pour construire une carrière. Je pense qu'il faut pas que je la mette sur, mais plutôt à côté. Où est-ce qu'ils vont se jeter? Par là? Hop. Bring this here, move that there, on. Oh, on doit être passé à forte croissance démographique. Parce que je suis très populaire. Nouvelle missive. Une bande de pillards a été repérée dans les terres environnantes. Devons-nous suivre leur piste? On va se préparer à les recevoir. Il reste un an. Plutôt généreux. On a besoin de planches. Mais on a besoin de... Yes, on a des sous. Ok. Je veux un autre bœuf. J'ai besoin d'un autre buff pour augmenter ma vitesse de déplacement du bois et commencer à planter au champ. On n'a plus trop de variations de nourriture. Les gens mangent toute la viande qu'on produit. Par exemple, lui, il attend. Ah, il laboure pour l'instant. Parce qu'il doit rien avoir de mieux à faire. Ah, il y en a un qui est malade, donc. Il est en congé maladie. Non, pourquoi il laboure à la main? Donc, on a deux bœufs. Théoriquement. Bientôt deux bœufs. Nouvelle famille s'est installée. On va affecter du monde. On va lui affecter une bestiole. Théoriquement, il est plus censé labourer à la main. Alors pour l'instant, elle est utilisée la bestiole, je vois, mais à part ça,
pour finir une maison. Et bientôt... Oh yeah, on a deux buffs, nickel. Je sais pas où est Jorg. En train d'arriver. Ah, c'est bon. Ça laboure. Ça a pas l'air de faire effet. Est-ce qu'il va au bout d'un truc pour se mettre à labourer? On va peut-être aller jusque là pour commencer à labourer. Ça va pas m'arranger, mais... On a plein de gens à la ferme qui sont pas très utiles. Oh, j'espère que j'ai pas retiré ce type là en particulier. Non, c'est bon. Est-ce qu'on a un peu de vêtements? Un peu. Hop. Attends, labour à la main. C'est censé être là, pas labouré. Peut-être qu'il a rien d'autre de mieux à faire, donc voilà. On a Jorg qui est en train d'arriver et qui va nous filer un bon coup de main. Je me demande si on ne passerait pas directement au troisième buff en reconstruisant un petit poteau. Poteau d'attache. Où est-ce qu'on le mettrait? Ah, j'aurais pu le mettre là. On peut essayer de mettre là entre les deux trucs. Alors, c'est bon, il a commencé. Il va labourer dans ce sens-là. Peut-être bien. En tout cas, c'est commencé. J'espère qu'il va être drôlement efficace. Les gens qui sont affectés à la ferme, ils font rien du tout. ...141, oh là là. Visiblement ma mine de fer elle fonctionne pas. Alors que celle-là elle fonctionne, ok. Donc si ma mine de fer ne fonctionne pas, on va la démolir. Et on va... Est-ce que là, vous pensez que ça passe? Elle a été construite là. Pas faire mieux, donc si ça passe pas non plus, et eh bien tant pis pour moi. On verra bien si ça marche ou pas. Alors, ajouter un jardin d'herbes, pas mal ça. Bon, j'ai pas assez de sous, donc on va plutôt donner priorité au buff à mon avis. Mais sur le principe, je suis partant. On n'a pas tellement de combustible au bon endroit. On en a énormément. Ouais, en vrai, on en a énormément, il est pas loin. Mais il y a des gens qui n'en ont pas. Ils habitent un peu trop loin. Pour faire le trajet, ça m'arrange pas. On pourrait faire des chèvres. Allez, c'est parti.
Allez-y s'il vous plaît, d'abord pour lui. Comme ça la tannerie pourra reprendre. Parce que la tannerie, le camp de chasseur ne suffit pas à donner suffisamment de peau. On a plus tant de nourriture que ça à vrai dire. Ah mais ça reprend par ici. Hop hop hop. Je suis pas assez riche pour avoir ça. Faut attendre que quelqu'un vienne m'acheter quelques bûches. Non. Dressing priority, je sais pas vraiment à quoi ça correspond. La construction de bâtiments demande au moins une famille sans affectation, c'est vrai. Eh bien, on va avoir moins de gens dans leur hutte de cueilleurs. De temps en temps, il me repasse à... plus bas en vitesse. These things do happen from time to time. Come one, come all. Feast your eyes. Ouais, il est en train de le faire comme ça. Il y a des lignes sur le champ, ça a l'air d'être l'orientation du champ. Ce serait pas l'orientation de la carte aussi? Non, pas vraiment. L'orientation de la carte, c'est plutôt comme ça. Donc je ne sais pas comment le champ s'est retrouvé orienté de cette façon-là. Il n'est pas vraiment orienté selon aucun de ses côtés. C'est vrai qu'il fait un boulot rudement efficace avec l'animal. Bon, il aurait dû commencer par là plutôt que de commencer tout au bout, mais... Tant qu'il s'il se fatigue pas et qu'il va par sa maison en abandonnant le travail, je serais bien content. On va réduire le nombre de fermiers puisque visiblement lui c'est pas un fermier. 7%. Il manque juste de la foi. Est-ce qu'on a atteint le bon nombre de planches? Non. Ici on a des gens qui attendent avec impatience. Alors, commerçant disponible dans 10 jours. Ok, on va attendre 10 jours. Ah c'est vrai que je peux pas en acheter un plus de 1 par mois. Sirs and Lady? Real Lady? Non, Sirs and Lady? Ah, ok. J'ai de la milice si jamais les brigands m'attaquent, mais je pense que ceux-là... ils vont m'attaquer avec beaucoup de monde. Plus de monde que ce que la milice ne me permet de défendre. Donc il me faut un forgeron. Donc il me faut du fer. Sauf que... pour ça, il faudrait que j'arrive à avoir une mine de fer qui fonctionne. Sinon, je pourrais aller m'installer là-bas. Mais il y a des brigands. Juste à côté du fer. C'est dommage. Ou là-bas. Bon, il y a des bandits. Ah, peut-être que ils sont trop loin, donc je ne sais pas exactement à quoi ils ressemblent. Mais je pourrais aussi essayer de m'installer par là. Mais je crois que pour s'étendre, il faut un camp de colons. Ça coûte 250. C'est beaucoup. C'est pas mal ça. On pourrait, je pense, vendre du pain. Nourriture, pain, ça se vend à 4. On a déjà vu mieux, mais... toujours ça. Combustible, on est un peu léger.
Alors qu'on en a en stock, c'est juste une histoire d'approvisionnement. Vêtements, ça va. Et nourriture, ça va plutôt bien. Alors, c'est bon maintenant, 4 jours. Ah, je suis repassé en mode lent, je sais pas pourquoi. J'ai gagné assez de sous pour ajouter un jardin d'herbe. Bientôt ne plus en avoir autant besoin que ça. Une région vient d'être revendiquée. Celle-là, visiblement. Taimbo. Celle qui est à côté de moi, ça m'arrange pas du tout. Mais j'ai pas vraiment la puissance militaire pour contester. Je pourrais acheter des compagnies mercenaires en attendant d'avoir des armes, sachant que j'ai une armée de 20 lanciers pour l'instant. Une milice de 20 lanciers. Qu'est-ce que ça me coûterait, des archers? Juste des arcs? Ah, pas mal. Parce que les arcs, ça coûte juste des planches. Où est-ce que c'est? Ah, c'est dans les maisons niveau 2. Donc en fait il me faut une église, absolument. Alors... Il est encore en train d'arriver j'imagine. %16, on est en avril. J'ai des doutes sur le fait que ça va marcher. Au moins ça me coûte qu'une personne pour l'instant. Ah, ils ont enfin oublié qu'à un moment ils avaient plus de maison. Je pense que c'est parce qu'on a fait un cycle d'un an. Ah bah c'est fini, chasseurs ne sont plus utiles. Les baies par contre, ça peut aller. La mine à ciel ouvert n'est pas construite encore. Bah ils attendent, c'est terrible hein. On va les désactiver. Il y en a qui guident des buffs. Je pourrais mettre une personne affectée au buff. Don't be shy, good sirs and ladies. On a de l'argile. Je vais pas trop pouvoir choper l'argile des voisins. Je vais être obligé de prier pour que ça fonctionne. On a pas mal de sous maintenant, donc je pourrais commencer à faire des trucs. Atelier d'archerie. Ah, il faut que je le monte de niveau, surtout, c'est tout. Si maintenant on voit les légumes passer,
comme je sais pas combien ils produisent, j'ai du mal à estimer si jamais c'est vraiment nul ou pas. Feast your eyes on our fine selection. You'll not find fine. On a rempli toutes les maisons. J'ai l'impression. Plutôt bien. Ah, celle-là, elle est très basse. On va la repasser en moyenne. Alors, hop. On va voir si ça marche cette fois-ci. Alors, on change de laboureur. Il a fait 24%, un quart. On est en avril, je sais pas exactement quand est-ce qu'on est censé semer. Il devrait relativement rapidement. Est-ce qu'on a des chasseurs encore? Non. C'est pas utile, il y a plus de gibier. Il y a un peu de sous. We all know what that means. We all know what that means. Probablement, si tu le dis. Ça avance quand même pas super vite hein, malgré le... Après j'ai fait un champ de 7 je crois d'unités de mesure. C'est pas des hectares mais... On gagne des sous, ça c'est sympa. J'ai pas acheté un bœuf moi déjà. Je l'avais pas acheté. Oh là là. Je pensais que j'avais acheté un bœuf. On a que Peter. L'autre il a peut-être été transformé ici, ouais. Transporté ici. En total on aura 3 déjà. Il s'est arrêté à 29. Le truc c'est que c'est très loin ici, donc ça lui prend un temps fou pour aller jusque là. Et ça lui demande un temps important pour faire des allers-retours également. Ah oh. Pas tout suivi de ce qu'il fait là. En tout cas, on va s'arrêter pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu et on se retrouve bientôt pour le suivant.